Salut tout le monde. Bon, j'ai posté une vidéo hier suite au cours cuisse abdos fessiers pour la salle de sport Waze et la ville de Bure, mais elle a été bloquée par YouTube à cause des droits d'auteur de la musique. Donc j'ai refait le montage et je vous la balance tout de suite. Bonjour à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Yannick, je suis coach sportif. Donc aujourd'hui, on va faire un cours de cuisse abdos fessiers. Vous aurez donc besoin d'une serviette, d'une bouteille d'eau, d'un tapis et d'un espace assez sécurisé. Ce sera un niveau débutant, ça va durer 45 minutes environ, d'accord? Donc on va commencer par un petit échauffement, ok? Donc je vous laisse vous installer, je vous laisse quelques secondes le temps que vous vous installiez, pour ceux qui arrivent. Donc oui, je vais un peu tricher, hein, j'ai quelques notes, pour ceux qui se demandent pourquoi je regarde les verres. Allez, on va y aller! Pieds largeur de hanche, tranquillement, dans les bras, et on commence, on tire en haut. On tire sur le côté, on revient au milieu, on tire sur l'autre côté, on revient au milieu, on relâche, on enroule les épaules. Et là, on va commencer par un petit pas à droite et à gauche, d'accord? Donc étant donné que c'est un cours débutant, on ne va pas rester sur une musique. Normalement, on reste sur le rythme d'une musique. Et là, on va rester comme ça, d'accord? Pendant quelques secondes, un pas à droite, un pas à gauche. Prenez bien votre temps, ne soyez pas essoufflé. Donc à partir de maintenant, on va mettre l'orteil au sol, d'accord? Tirez le pied comme ceci. Alors, vous pouvez balancer vos bras pour garder le rythme. Très bien. Ensuite, on va commencer avec des talons-fesses, comme ceci. D'accord? Allez, on y va. On va continuer avec 4 talons-fesses sur place, comme ceci. 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gardez bien le pied, le sol bien plat à terre. 3, 4. Encore une dernière. Et on va partir sur les genoux, comme ceci. D'accord? C'est pareil, 4. D'accord? C'est parti. Pensez à bien respirer et à ne pas bloquer la respiration surtout. Encore, on ne lâche pas. Vous allez sentir la contraction au niveau du fessier. Et ensuite, on va repartir un pas à droite, un pas à gauche, comme ceci. C'est parti. On va chercher un peu plus loin. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez commencer à descendre un tout petit peu et remonter. Alors prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé d'aller à mon rythme. On est sur un niveau débutant. Je
Bien sûr, on est encore sur l'échauffement. Et là, on va ralentir doucement. Très bien. Et là, on reprend une position initiale. Prends les bras. Et on tire. Sur le côté. On revient au milieu. Et sur l'autre côté. Et on relâche. Voilà pour l'échauffement. Je vous laisse quelques secondes pour vous installer. Prendre un tapis, votre serviette, boire un coup. Et là, on va commencer par la partie des cuisses. D'accord ? Alors, on va commencer par des squats, d'accord? Donc, pied un tout petit peu plus grande largeur de hanche. On engage les abdos. Le but, c'est de pousser les fessiers en arrière en faisant attention que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds, d'accord? Comme ceci. Je vous montre et après, on part pour le coup. On descend exactement comme ceci et on remonte. Donc la variante pour les intermédiaires, vous les confirmez, vous pouvez descendre et sauter à ce moment-là, d'accord? Sur toute la partie du squat. Ok? Allez, on y va, on va y aller calmement pour le début, d'accord? C'est parti! Pensez bien à inspirer sur la descente. Et à expirer sur la montée. Allez vraiment à cette cadence-là. On engage le bassin vers l'avant en position en pause. Alors on maintient. Faites bien attention aux genoux. Vers l'extérieur. On va aller un tout petit peu plus vite à partir de maintenant. D'accord ? C'est parti. Très bien, pensez bien à la respiration. Et à bien engager le bassin en avant. Et surtout, à contracter les fessiers à ce moment-là. Allez, on maintient. Encore une fois, pour ceux qui en veulent un peu plus, intermédiaire ou confirmé, quand vous êtes ici, vous pouvez monter et sauter. Et revenir, reprendre la cadence. Remonter et sauter. Ok. Je vous laisse quelques secondes. On va aller un tout petit peu plus vite cette fois-ci. D'accord ? Allez, c'est parti pour 10 squats. Rapide. Enfin, un peu plus rapide que tout à l'heure. C'est parti. 1. On engage. 2. Pensez bien à la respiration. À la contraction des fessiers. En haut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous laisse quelques secondes, on repart pour la même chose. Pensez aussi à boire. Voilà, c'est quelques secondes, je regarde si vous avez des questions. Bon, c'est parfait si on m'entend bien. Ok,
On repart pour la même chose ? Allez ! C'est parti ! Allez ! Lentement ! On engage le bassin. On inspire sur la descente. On expire sur la montée. Faites bien attention à ne pas verrouiller le genou sur la montée, c'est-à-dire à ne pas faire ça, d'accord? On lâche pas, on maintient. On va aller un tout petit peu plus vite. C'est parti. Encore une fois, pour ceux qui en veulent un peu plus, sur la montée, sautez et revenez en position. N'oubliez pas d'engager le bassin en haut et de contracter les fessiers. Et gardez bien les abdos engagés tout le long. Très bien. On va finir par les 10. Les 10 dernières un peu plus rapides. Ok? Alors là aussi, pour les intermédiaires et les confirmés, vous pouvez descendre et sauter rapidement. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. 1. On engage bien le bassin. 2. On inspire sur la descente. On expire sur la montée. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On a fini pour la partie squat. On va passer aux fentes. Donc, prenez le temps de bien vous hydrater. Alors pour la partie fente, on va faire une jambe après l'autre, d'accord? Donc quelques règles, je vous montre avant. Faites bien attention d'avoir un angle, 90 degrés ici et là. Là, le genou s'arrêtera jusqu'ici, ok? La petite variante pour les intermédiaires, vous les confirmez, sera de, quand vous descendez, vous pouvez ressauter et on saute, d'accord? À ce moment-là. Pour les débutants, le coup est débutant, on restera comme ceci, d'accord? Je vous laisse finir de vous hydrater, essuyer, et on va partir. Allez, on y va. C'est parti. On va commencer pareil, un temps lent, moyen et après rapide. Je commence par la jambe gauche, d'accord? Donc là, on reste encore sur les cuisses. Vous êtes censé sentir tout le travail à ce niveau-là. Et si vous contractez bien le fessier sur la montée, vous allez le sentir juste en haut du fessier. Allez, on y va. Lentement, c'est parti. Pour ceux qui veulent compter, c'est juste 4. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai une main ici pour l'équilibre. Ceux qui veulent, vous pouvez les garder ici. D'accord? Allez, on continue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse compter pour vous. D'accord? Gardez bien le pied ancré au sol. Le talon bien dedans. Le genou au-dessus du talon. On continue. 1, 2, 3, 4. Vous allez sentir la contraction juste ici et à ce niveau-là. Mettez-vous bien sur la pointe du pied arrière. Un petit dernier.
Pareil, on inspire sur la descente, on expire sur la montée. Voilà pour la partie lente. On va passer sur la partie moyenne, d'accord? Allez, c'est parti. Là, le comptage se fait en deux. C'est-à-dire, on y va. Allez, 1, 2, 1, 2. Pour les intermédiaires et les confirmés, ça donnera ça. 1, 2, vous sautez et vous partez. 1, 2, 1, 2. D'accord? On reprend sur la partie des débutants. Allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pensez bien à respirer. On inspire sur la descente, on expire sur la montée. Allez, on maintient. Vous allez sentir toute la contraction plus à ce niveau-là, d'accord? Et on relâche. Je vous laisse quelques secondes et on va partir sur la partie rapide. La partie rapide qui donnera en 1-1, d'accord? Je vais vous montrer. Donc pour les squats, on va partir sur 10 répétitions. Allez, vous êtes prêts? On y va, on se met en position. Alors, juste avant, je vous montre pour les intermédiaires et confirmer ce que ça va donner. Donc, on va, le 1-1 donne 1-1 pour les débutants. Intermédiaire et confirmé, vous pouvez descendre en 1, je vous montre. 1 et je saute en même temps. 1 et je saute. D'accord? Allez, c'est parti. On se met en position. Le buste bien haut, on engage bien les abdos. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de la taille ou devant pour garder l'équilibre. Et on y va. Allez. 1, 1, 1, 1. Très bien. Je vous laisse compter pour vous. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Je vous laisse quelques secondes. Je vais vérifier s'il y a des questions et on passe sur l'autre jambe. Alors oui, ça sera tous les jours, mais pas le cuisse abdo-fessier. On aura des cours de pilates, du renforcement pour tout le corps, le cuisse abdo-fessier, et après, j'ai pas le reste des cours en tête. Donc regardez sur la page Insta de Sportways. Allez, on change de jambe. Donc maintenant, jambe droite devant, d'accord? Donc encore une fois, je l'ai fait, on garde l'angle de 90 degrés ici et de l'autre côté, d'accord? On va passer sur la partie longue. Donc, je rappelle, le genou descend vers le sol. Allez, c'est parti. On compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? C'est parti. Je vous laisse compter pour vous. Très bien. Je rappelle, on engage les abdos. On inspire sur la descente, on expire sur la montée. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encore une fois, dernier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'était la partie lente, pardon. Allez, on va passer sur la 2-2. D'accord? On y va? Je rappelle juste une chose pour les intermédiaires.
et les confirmer. On descend 1, 2 et on saute. 1, 2 et on saute. Regardez, 2 secondes là on attend. Et on descend 1, 2 et vous sautez. On attend 1, 2 et vous sautez. D'accord ? Allez, on part pour le 2-2 pour les débutants. C'est parti. 1, 2, 1, 2. Encore une fois. 1, 2, 1, 2. Gardez bien la poitrine. Sortie, les abdos engagés. 1, 2, 1, 2. Vous allez sentir toute la contraction au niveau de la cuisse arrière. Et légèrement, celle de devant. 1, 2, 1, 2. Encore. 1, 2, on maintient bien. 1, 2. On inspire sur la descente. Et on expire sur la montée. Encore. Et on relâche. Pensez à vous hydrater. Je vais continuer à ramper. Allez, on passe sur la partie rapide. Le 1-1. Donc je rappelle, pour intermédiaire, et confirmer ce que ça donne pour le 1-1. Le 1-1 devra ça. 1, on saute. On revient. 1. D'accord ? Les débutants, si vous voulez essayer, vous pouvez. Sinon, on va rester comme tout à l'heure. Allez, on part pour 10 répétitions. Ça doit chauffer là maintenant. C'est parti. 1. 1. Très bien. Allez, troisième répétition. 4. 5. Je rappelle, on garde bien les abdos contractés. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Alors là, c'était pour la partie. On va passer sur la partie fessier. Et on finira par les abdos. Alors pour ceux qui ont un tapis chez eux, je vous invite à le sortir maintenant. D'accord ? Ceux qui n'en ont pas, vous gardez juste une serviette. Que vous posez au sol, d'accord? Alors, on va faire ce qu'on appelle une abduction de hanche, ok? Donc, vous allez vous installer dans l'endroit. Alors, vous allez vous installer sur le côté droit, le bras en haut de la tête, bien tendu. Vous allez mettre la jambe de sol à 90 degrés et la jambe gauche tendue, d'accord? Vous allez mettre la pointe du pied vers le sol, d'accord? Là, le but va être de monter et d'avoir la contraction au niveau du fessier, ok? Pareil, on inspire, on expire, d'accord? Allez, on va partir sur le 4-4 comme pour tous les exercices, d'accord? Donc ça va donner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour les intermédiaires ou les débutants, pour les intermédiaires ou les confirmés, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4. Arrivez à ce 4. 1, 2, 3. Et vous relâchez. D'accord ? Les débutants, on va rester sur le 1, 2, 3, 4. Ok ? Allez. Hop. Je suis bon. Ok, petit chrono. Allez, c'est parti. On y va. Vous pouvez poser la main ici pour garder l'équilibre. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On repart encore. 1, 2, 3, 4.
Vous gardez bien les abdos aussi, contractez. Une dernière, 1, 2, 3, 4, encore une fois, 1, 2, 3, 4, et on relâche. Je vous laisse quelques secondes. Pour l'instant, je vais vérifier si vous avez quelques questions. Très bien. Allez, on continue. On va partir pour le 2-2. Pareil. Pied au sol à 90 degrés. Jambe gauche tendue. Pointe du pied vers le sol. D'accord? Le 2-2 donnera 1, 2, 1, 2. Juste ça. D'accord? Pareil pour les intermédiaires et les confirmés. On va être sur du 1, 2, vous restez sur votre 1, 2, 3 et vous relâchez. Ok? Allez, on y va? Je vous laisse vous mettre en place. Allez, on y va. 1, 2, 1, 2. Encore une fois, 1, 2, 1, 2. Continuez. Vous gardez bien les abdos contractés. Vous pensez bien ne pas bloquer votre respiration. Gardez bien la pointe du pied vers le sol. Allez, encore 2, 1, 2, 1, 2. Vous allez avoir toute la contraction à ce niveau-là, au niveau du fessier. 1, 2, 1, 2. Et on relâche. Je vous laisse quelques secondes. On va détendre un peu. Et on repart pour 10 répétitions en 1-1. C'est parti, on y va. 1 et on relâche. 2 et on relâche. 3. Gardez bien la pointe du pied vers le sol. 5. Allez, encore 5. On maintient. 6. 7. Pour les intermédiaires et les confirmés. 1, 2, 3 et on relâche, d'accord? 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà pour la jambe gauche, d'accord? Avant de passer à la jambe droite, on va passer au relevé de bassin, d'accord? Je vous laisse vous hydrater, vous essuyer. On fait du transfert comme moi. Et on passe directement au relevé de bassin. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous. Alors, pied. Juste en dessous des fessiers. Que vous puissiez toucher les talons au moins avec le majeur de vos doigts, juste là. Posez la tête au niveau du sol. Pour éviter de céder avec les mains pour remonter le bassin, je conseille de mettre la paume des mains vers le sol. Vers le ciel, vers le plafond. D'accord ? On va remonter le bassin de façon à pouvoir entrevoir les genoux. Ok ? Au moment du bassin relevé, vous contractez les fessiers. Abdos toujours contractés, d'accord? Pour les intermédiaires
et les confirmés qui en veulent un peu plus. À ce moment-là, vous montez en levant une jambe. On redescend, puis l'autre jambe. Ok ? Les autres, les débutants, on va rester sur la base. C'est-à-dire ça. Ok ? Pareil, on va partir en 4-4, 2-2 et 1-1. Allez, on y va ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pensez à bien contracter les fessiers sur la montée. On tient une demi-seconde et on relâche. Très bien. Encore. On garde bien les abdos contractés pour chaque exercice. 4, 1, 2, 3, 4. Allez, encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. On va passer au 2-2. Je vous laisse vous préparer. Gardez bien la paume des mains vers le plafond. On y va ? Allez, c'est parti. 1, 2, on maintient une petite seconde, on relâche. 1, 2. Les fessiers ne touchent pas le sol, arrive en bas. Encore une fois, 1, 2, on maintient. 1, 2. Encore une fois, 1, 2, on contracte bien, on maintient et on relâche. 1, 2, pensez bien à la respiration, ne bloque pas la respiration, de toute façon pour chaque exercice. 1, 2, 1, 2, allez, encore deux fois, 1, 2, 1, 2, la dernière, 1, 2, 1, 2, et on relâche. Je vous laisse quelques secondes. Allez, on y va? Je vais montrer encore une fois pour les intermédiaires et les confirmés. Là, pour le 1-1, ça donnera. Vous levez la jambe directement et 1, je relâche, je pose la jambe. L'autre, 1, je relâche et je pose la jambe. D'accord? Les débutants, on va rester comme ceci. 1, on maintient une seconde, on contracte les fessiers et on relâche. D'accord? Allez, on y va? C'est parti. Gardez bien la paume des mains vers le plafond. Allez. 1, on maintient, on contracte les fessiers, on contracte les abdos et on relâche. On ne touche pas le sol avec les fessiers. On continue. 2, on maintient et on relâche. 3, pensez bien à la contraction des fessiers sur la montée. C'est très important pour bien ressentir le travail. 4, 5, 6, pour les intermédiaires et le confirmé. Allez, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Très bien. On va passer à l'abduction de hanche sur le jambe. On a fait la jambe gauche tout à l'heure. On va passer sur la jambe droite. Je vous laisse boire un coup. Il ne me reste que 10 minutes. On va finir par ça. Enfin non, on va pas finir par ça. On va finir ça et on va finir par les abdos. Allez, on se met sur le côté, le bras gauche en haut de la tête tendu, jambe du sol à 90 degrés et la jambe droite tendue. Ok, je répète l'exercice. On lève la jambe droite, pointe du pied vers le sol. D'accord,
pouvez poser la tête. C'est même plus conseillé, d'accord? Allez, on y va, je répète juste pour les intermédiaires et les confirmer. Une fois en haut, trois petits. 1, 2, 3, et on relâche. Ok? Allez, c'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous gardez bien les abdos contractés. Et la pointe des pieds, du pied pardon, vers le sol. Encore deux fois. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On relâche. On va passer au 2-2. Allez, c'est parti. 1, 2. 1, 2. Pensez bien à la respiration. Contractez bien les abdos. On inspire, on expire. 1, 2, 1, 2. Et on relâche. On va passer au 1-1. D'accord ? Je vous laisse prendre quelques secondes. Allez, on y va. Cette fois-ci, on va partir pour 8 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, finalement on va faire les 10, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et on relâche. Vous avez dû avoir toute la contraction et le travail fait sur le fessier. Très bien. Je vous laisse récupérer un tout petit peu. Et on va passer à la partie des abdos. Regarde juste ce que je vous ai préparé. Hop. Très bien. Donc vous pouvez laisser votre tapis. On va rester au sol. Pensez encore une fois à vous hydrater. J'espère que ça a été pour vous, que c'est pas trop dur. On finit par les abdos. Allez, dos au sol. Ok. Pareil, talons en dessous des fessiers. On va partir pour les crunchs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le crunch, c'est on remonte le torse, pardon. Donc, position débutant, vous croisez les mains, vous les posez sur la poitrine, d'accord? Intermédiaire, si vous voulez, vous mettez vos mains au niveau de la dent et les confirmer, vous pouvez partir avec les mains au-dessus de la tête, d'accord? Vous remontez comme ceci et relâchez, ok? Alors, les débutants, on croise les mains, les bras, pardon, et on les met sur la poitrine. Pareil, on va partir en 4-4. Très lentement. Gardez toujours la contraction des abdos. Quand vous êtes tout en haut, vous expirez au maximum. Ce qui fait encore plus la contraction des abdos. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Pensez à avoir le regard au niveau du plafond. Faites attention. Je ne veux pas voir ça. La tête qui se courbe comme ceci. Vous allez vous faire des blessures au niveau des cervicales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On relâche un peu. Et on part en 2-2. Allez, c'est parti. Une petite chose. Pour les intermédiaires et les débutants, si vous voulez, vous montez par exemple pour le 2-2. 1, 2, et toujours les 3 petits. 1, 2, 3, et vous relâchez. D'accord? Les débutants, on va rester comme ceci. On y va? C'est parti. 1, 2. 1, 2. Toujours le regard au niveau du plafond. 1,
de expirer à ce niveau-là. 1, 2, encore une fois. 1, 2, 1, 2. On inspire sur la descente, on expire sur la montée. 1, 2, 1, 2. Allez, encore 3. 1, 2, 1, 2. N'oubliez pas d'expirer sur la montée. Derrière, 1, 2, 1, et on relâche. On part pour 10 répétitions pour le 1-1. Vous êtes prêts? Alors, pour les intermédiaires, donc quelques répétitions. Je vais vous faire quelques répétitions aussi pour les confirmer. Et je reprendrai sur les débutants. Allez, c'est parti. On part sur le 1. Allez, 1, on maintient et on relâche. 2, on maintient encore, on expire et on relâche. Gardez toujours le regard au niveau du plafond. 4, je passe sur les confirmés. Allez, 5, 6, 7, et les débutants, fini. 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà pour les crunch. Alors, vu le temps, j'espère qu'il nous reste de faire deux exercices. Déjà, un, c'est sûr. Allez, on va partir pour ce qu'on appelle le leg raise, d'accord? Donc juste remonter de jambes. Vous restez tout au sol. Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre les mains juste au niveau des fessiers. Jambes tendues, et en fait, on va juste remonter les jambes, ok? Ceux qui auraient mal au niveau des lombaires à ce moment-là, sur la montée des jambes, vous avez juste à fléchir un peu les jambes et remonter ainsi, d'accord? Allez, on y va, on va partir juste pour 10 répétitions, 104-4, 102-2, 101-1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, ça sert à rien de monter trop haut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Vous pouvez avoir toute la compression au niveau des abdos. Encore une fois, si vous avez mal au lombaire, fléchissez légèrement les jambes. Pas comme ça, mais juste comme ceci. Allez, on y va? C'est parti. 1, 2, j'inspire, expire, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et ben voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Donc vous retrouverez cette vidéo sur le site de la ville de Bure, sur la page Instagram de Sportways et aussi sur ma chaîne YouTube, d'accord? Donc merci à tous ceux qui ont pu suivre le cours et je vous dis à la prochaine, à très vite. Ceux qui auraient des questions, je vous laisse les poser. Je reste encore connecté 5 petites minutes pour répondre à quelques questions.
Merci Justine. J'espère que ça n'a pas été trop dur. Je vous remercie à tous en tout cas d'avoir suivi. Donc moi normalement je suis là lundi et mercredi. Bon bah c'est cool si ça vous a plu. Yes, c'était bien, c'est bien 10h, ouais. C'est à 10h, soyez à l'heure en tout cas pour la prochaine fois, mais en tout cas vous pouvez retrouver les vidéos comme je vous ai dit sur le site de la ville de la mairie de Bure, sur l'Instagram de Sportways et sur ma chaîne YouTube aussi. Donc vous pouvez le faire à la maison tout seul aussi. Mais sinon je vous donne rendez-vous lundi ou mercredi. Et puis il y a les autres jours pour les autres cours comme je vous ai dit. Bon allez, je me déconnecte et je vous donne rendez-vous lundi et mercredi bien sûr. Et il y aura des rendez-vous tous les jours à 10h. Donc soyez à l'heure et à très vite. Bah, bon confinement à tous. Hein. Ciao. Live or die, man, we need each other.